وحتى باتجاه حوش قبيل المطاحن سكة دلبي المنصورة القرية الشامية دير سلمان الزماني القاسمي الجربة البحاري حتى الفروسي تشكيل طوق أو قوس نسميه قوس النصر. La Syrie affirme que le rapport de Zeloukli constitue une violation flagrante de la ligne de neutralité et de crédibilité, ignore les faits réels en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit sa guerre contre le terrorisme, détruisant ses repères et regroupements dans plusieurs régions. En signe d'appui à l'armée arabe syrienne face au terrorisme, démarche imposante à Douma, Douala et Sadad. La ministre des Affaires sociales, Kinda Shammat, affirme le souci de son ministère d'assurer les besoins aux familles déplacées et sinistrées à Alep. Les détails du journal Bonsoir, le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Faisal Hamoui, a affirmé que certains paragraphes du rapport de la représentante du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerouki, constituent une violation flagrante de la ligne de neutralité et de crédibilité. Lors d'une réunion de l'UNICEF tenue à Genève sur le lancement de l'initiative humanitaire mondiale pour la protection des enfants, Al-Hamoui a assuré que le gouvernement syrien avait coopéré étroitement avec l'UNICEF depuis le début de la crise et qu'il avait fourni les facilités nécessaires pour effectuer ses missions de secours. Al-Hamoui a critiqué l'ignorance du rapport des violations graves commises contre les enfants syriens dans les camps déplacés aux pays voisins, notamment les tentatives menées par certaines organisations terroristes et takfiristes de recruter nombre d'eux pour combattre en Syrie. Il a ajouté que Mme Zerouki avait négligé dans ce rapport de mentionner des cas inquiétants et dangereux dont des aspects de crimes organisés et le travail des enfants. Il a critiqué le rapport qui a ignoré la destruction systématique menée par les groupes takfiristes et qui avait visé les écoles et les hôpitaux et les dispensaires et empêché l'accès des médicaments et des vaccins. En outre, il a mis l'accent sur les effets dangereux des sanctions économiques injustes et illégales imposées par certains pays sur le peuple syrien et considérées selon le droit international humanitaire comme participation aux crimes de guerre commis par ces pays contre le peuple syrien. Le rapport des Nations Unies a mis en garde contre la formation de cellules internationales des terroristes étrangers qui se battent en Syrie et entraînent des contacts avec la nébuleuse d'Al-Qaïda, affirmant que de l'organisation internationale constitue toujours un danger bien qu'il ait perdu de sa puissance. Le rapport présenté au Conseil de sécurité par l'équipe d'analyse et d'observateurs appartenant aux Nations Unies a indiqué que l'idée reçue que le Front Nasra n'est pas intéressé de lancer des attaques en dehors de la Syrie n'est pas précise et que certaines organisations affiliées à Al-Qaïda recrutent les enfants de 12 ans et incitent les jeunes à rejoindre les rangs du commandement. Le rapport a affirmé que les pensées et les réseaux qui émergent d'Al-Qaïda persistent toujours.
Dans la banlieue de Damas, des milliers d'habitants de la région d'El Douala ont organisé une marche imposante avec la participation des activités officielles et populaires pour affirmer leur appui à l'armée arabe syrienne dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la sécurité et la stabilité en Syrie. Les participants ont condamné les massacres et atrocités commis par des gangs des terroristes contre le peuple syrien. Les participants ont exprimé leur soutien aux positions de la délégation officielle et syrienne à la conférence de Genève 2, soulignant qu'elle représente les intérêts et les aspirations du peuple syrien. À Homs, les habitants de la localité de Sadad et ses environs ont organisé une marche imposante de soutien à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit nombre de véhicules et des terroristes à Rasm Makhraz et près de la mosquée de Jemra et tué et blessé des terroristes près de l'entrée de la localité de Selmin à Al-Lajat. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont éliminé des terroristes au nord de la localité de Kherbet Ghazale et détruit leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. À Alep, la ministre des Affaires sociales, Kinda Shammat, a affirmé le souci de son ministère d'assurer les besoins aux familles déplacées et sinistrées du fait de leur ciblage par les groupes terroristes armés à plan, à déployer davantage d'efforts pour améliorer la situation humanitaire et de secours à Alep. Lors d'une réunion élargie sur la situation de secours à Alep, Mme Shammat a affirmé la nécessité de conjuguer les efforts d'achever dans 10 jours une statistique complète des familles sinistrées et déplacés et de réaliser la justice dans la distribution des assistances humanitaires et de secours. La ministre a de même donné l'ordre d'assurer immédiatement 10 000 boîtes de conserve au gouvernorat d'Alep pour les cas d'urgence. Le président russe Vladimir Poutine a examiné dans un contact téléphonique qu'il a reçu de son homologue américain Barack Obama la crise en Syrie et la situation en Ukraine et le dossier nucléaire iranien. Un communiqué publié par le Kremlin indiquait que les deux présidents Poutine et Obama ont échangé les points de vue au sujet du processus de l'exécution des accords concernant la destruction des armes nucléaires en Syrie. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lukachevitch, a fait affirmer le 6 du mois en cours que la Syrie respecte pleinement ses engagements au sujet de la destruction des armes chimiques, exprimant son étonnement des critiques qui lui sont adressées à ce sujet. En Russie, les forces aériennes ont effectué des manœuvres dans la base d'hélicoptères russes 393 dans le district Krasnodar en Russie avec la participation des hélicoptères de fabrication russe les plus sophistiqués. Et en Iran, la 7e étape des manœuvres des forces de mobilisation baptisées vers Beit el-Moqdes se sont lancées dans 3 provinces, à savoir Yezed, Azerbaïdjan, occidentale, Helmazgan, avec la participation de 85 régiments dans l'objectif d'organisation les forces de mobilisation, promouvoir leur disponibilité et renforcer l'esprit de sacrifice et de cohésion au sein de ces troupes. En Iran, la 7e étape des manœuvres des forces de mobilisation baptisées vers Beit el-Moqdes se sont lancées dans 3 provinces. Un rappel des titres. La Syrie affirme que le rapport de Zeloukoui constitue une violation flagrante de la ligne de neutralité et de crédibilité et ignore les faits réels en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit sa guerre contre le terrorisme, détruisant ses repères et regroupements dans plusieurs régions. En signe d'appui à l'armée arabe syrienne face au terrorisme et démarche imposante à Douma, Douala et Sadad. La ministre des Affaires sociales, Kinda Shammat, affirme le souci de son ministère d'assurer les besoins aux familles déplacées et sinistrées à Alep. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien encore.
الخامس وحتى حتى باتجاه حوش قبي المطاحن سكة دلبة المنصورة القرية الشامية دير سلمان الزماني القاسمية الجربة البحاري حتى الفروسي تشكيل طوق أو قوس نسميه قوس النصر